Alors, avancez un peu, voilà, nous arrivons. Ça c'est l'atelier. L'entrée de l'atelier, oui. Voilà. Vous arrêtez là. L'homme est allé dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans le noir absolu des grottes, pour peindre. Il allait dans le noir peindre avec du noir. Je ne me sers pas des outils traditionnels. C'est les nécessités de ce que je fais qui me conduisent à utiliser un outil. Une fois d'ailleurs, j'étais très désespéré, j'arrivais pas à produire ce que je voulais, et presque par dépit, j'ai pris un morceau de bois qui traînait dans l'atelier. Et finalement, ce qu'il a produit était beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais voulu peut-être. Le véritable outil, il n'est pas là. Il est pendant le travail, c'est la lumière qui est l'outil. Parce que c'est toujours ce qui se passe sur la toile qui me dirige. La réalité d'une œuvre d'art, c'est un triple rapport entre la chose qui est la peinture, un homme qui l'a proposé, un homme qui l'a faite, et celui qui la regarde. C'est ce triple rapport qui est pour moi la réalité d'une œuvre. C'est-à-dire que celui qui la regarde fait partie de l'œuvre. Quand quelque chose se passe qui m'intéresse, j'essaie de continuer, d'aller plus avant. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait les premières peintures que j'ai appelées Outre-Noir. Je travaillais depuis des heures et je croyais que ce que je faisais était mauvais. J'étais triste, agacé de voir que c'était mauvais, mais je continuais. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir, que c'était avec la matière du noir, les états de surface du noir, qui créaient une lumière. Et cette lumière-là, c'est une lumière secrète. Une lumière qui n'est pas évidente, qui venait du noir, me touchait beaucoup. Et c'est ce qui me poussait à continuer. Quand j'ai travaillé longtemps à une toile qui ne me convient pas, et qui, je trouve, ne correspond pas à ce que j'aimerais qu'elle soit, je la détruis. Et pour la détruire, je la brûle. Pour la détruire, je la brûle. Toutes les toiles qu'on voit, ce sont les toiles que j'accepte. Il y a beaucoup de toiles que je fais, que je n'aime pas, qui tournent mal. Ça commence à être très bien, ça se développe, puis ça s'écroule. Et moi avec. Je vais dormir. Puis je recommence.